Alors, je vais vous montrer, j'ai reçu mon petit colis de chez Shein. Alors, gros coup de cœur pour cet ensemble. Franchement, il est canon. J'adore la matière coton comme ça, gris foncé. Donc, c'est un jogging avec un petit bustier. J'aime trop. Vraiment, ça, c'est tenu coup de cœur parce que c'est classique, c'est basique, c'est stylé. C'est totalement ce que j'aime. Franchement, trop joli. Ensuite, petit top vert basique. J'ai trouvé trop mignon avec les petits traits. Donc, il y a plusieurs coloris. J'ai pris également ce short en jean qui est hyper bien taillé. Franchement, il est trop joli avec le petit visage imprimé derrière. Petite tenue basique. J'ai pris aussi ce t-shirt. Alors, la matière, mais genre trop, trop douce, calée. Et je l'ai trouvé super mignon derrière. Il y a un petit smiley avec des écritures. Donc, vous pouvez le mettre aussi bien avec un petit short qu'il est assez long aussi, vous voyez, à porter. Mais on est trop calé. Ensuite, j'ai pris ce petit t-shirt. Donc, ça, c'est vraiment une petite tenue pour la maison. J'adore. Petit short en coton. À la base, tout le temps ceux de Benji, du coup je me suis dit que j'allais me commander les miens, mais il est trop beau, cette couleur jaune un peu citron comme ça. Et petit t-shirt, voilà, ça c'est vraiment basique. Le t-shirt pareil, vous pouvez le mettre aussi avec un jean ou un short, enfin franchement trop sympa. Ensuite j'ai pris cet ensemble maillot de bain que j'ai trouvé hyper joli, avec le petit bandana que j'ai mis ici, le haut, petit bas également comme ceci. Et petite jupe, donc ça pour aller à la plage, ça peut faire un petit ensemble hyper stylé, looké, très mignon. Et pour terminer, j'ai pris également ce petit maillot de bain, très joli. Donc couleur un peu kaki, et j'aime bien parce que du coup, ils font pas mal de petits ensembles où vous n'avez pas besoin de pareo, vous prenez tout simplement la petite, enfin il y a la petite jupe qui est vendue avec, donc c'est hyper sympa. Et le bas, il est très joli aussi, il est un petit peu échancré, franchement trop sympa. Bon, au niveau esthétique, peut mieux faire. J'avais pas de levure, donc j'ai voulu tenter sans levure. Du coup, ils sont un peu raplapla. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'ai mis une grosse cuillère de Nutella en plein milieu des pancakes. J'en ai mangé deux. Ils sont trop bons. Je vais vous mettre la recette, mais ajoutez de la levure pour qu'ils soient beaucoup plus soufflés, beaucoup plus épais. Parce que là, ils sont un peu raplapla, mais délicieux. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm je sors de chez la gynéco, je vous avais dit, j'ai été faire des examens pour mon souci d'aménorrhée que j'ai depuis l'accouchement. Bon, j'ai fait une échographie pelvienne, sur ça tout va bien, tout est en place, mon stérilet est bien mis, au niveau des ovaires, etc., tout est nickel. Donc du coup j'ai fait un gros bilan sanguin en
endocrino en même temps, où je vais avoir un peu tout ce qui est sur la thyroïde, des hormones, etc. Les résultats d'ici 3-4 jours, je crois, donc ce week-end. Et en fonction de ça, on va voir ce qu'il en est. Si on voit qu'il y a quelque chose, un souci par rapport à ça, bah, du coup, j'aurai peut-être un traitement approprié. Et si le bilan sanguin est bon, il faudra que je fasse des examens complémentaires avec un endocrino. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, déjà, bon, le point positif, c'est qu'au niveau d'échographie, tout va bien. Donc ça doit être peut-être hormonal, je pense. À voir.